Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Saint-Avold au gymnase de La Carrière pour la 16e journée du championnat de France de basket fauteuil qui voit s'opposer Saint-Avold en blanc à votre gauche face à Toulouse en rouge. À votre droite, Toulouse actuellement à l'attaque avec ce joli mouvement collectif, un bras roulé. Joli bras roulé arrière de Nabil Guedoun, numéro 9 de cette équipe de Toulouse. Alors j'en profite tout de suite pour vous faire les mises en jeu du côté de Saint-Avold, les Red Dragons actuellement à l'attaque. Nous avons le 7, Robin Pogonjic. Le 9, Matij Bellers, qui a manqué son tir à l'instant. Le 11, Patty Kotipingo. Le 14, Julien Fleuteau. Et le 15, Sam Bader. La balle va être rendue sur cette touche aux Red Dragons. Donc face aux Red Dragons en blanc, nous avons en rouge Toulouse pour les entrées en jeu. Nous avons le 6, On Okoko Okitapoy. Excusez-moi, le 7, Florence Doumèche-Guenoun. 8, Jérôme Corneille. 9, Nabil Guenoun. 12, Aïssa Falempe. Et 15, Bilal Ayash. Ce match va être particulièrement intéressant pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en Coupe de France... Alors, faute sifflée actuellement. J'étais en train de vous dire, en Coupe de France, l'équipe de Toulouse a été sortie en quart de finale par l'équipe des Red Dragons de Saint-Avold. Donc, les Rouges de Toulouse vont avoir à cœur de rattraper ce match qui a été extrêmement disputé. Et la seconde raison est qu'au classement général, les Red Dragons de Saint-Avold sont 5e à 25 points et Toulouse est juste devant, 4e à 26 points. Tentative de 3 points ici, 3 points manqués mais récupérés par Toulouse. Et ici, Bilal Ayash, numéro 15 de cette équipe de Toulouse qui vient de marquer 1-2 points face à Patrick Tilingo. Donc un tout petit point d'écart et surtout aujourd'hui, oh là là, Robin est en forme aujourd'hui, 3 points de Robin Pogonjic à nouveau. Ça fait du bien au moral et ça va forcer les Toulousains à ouvrir un peu plus la défense. Et si la défense s'ouvre plus, les grands à l'intérieur vont pouvoir faire un jeu plus facilement. Aïssa Falempe, ici le grand numéro 12, avait déjà fait un très très bon match pendant la Coupe de France face à Saint-Avold. Il va tenter certainement de retirer cet exploit. Voilà, j'étais en train de vous dire à l'instant que si on monte sur les shooters, ça a laissé de la place à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé pour que les grands puissent entrer dans le jeu. Donc... le jeu était arrêté... siffler étant donné que les fauteuils étaient entremêlés les uns avec les autres. Et Nabil Guenoun hein, qui demandait à l'arbitre l'avantage voilà, sur cette attaque. Voilà. Et donc, j'étais en train de vous dire, 5e et 4e au classement, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un match décisif pour ouvrir à l'une des deux équipes une place en Final Four pour pouvoir se disputer les premières places du championnat. Alors, l'équipe des Red Dragons de Saint-Avold reste une très belle victoire. En demi-finale de Coupe de France, le week-end dernier, ils ont gagné. Oh là là, et bonne pression défensive de Patty Bingo, là, et sans faute, qui a empêché le tir en première attention. Mais Aïssa Falempe est bien suivi pour ce rebond. Et faute encore une fois. Faute sifflée cette fois-ci au 8 à Jérôme Corneille, très très grand joueur, Jérôme Corneille qui faisait partie de l'équipe de France, beaucoup d'expérience. Alors si on analyse un petit peu cette équipe de Toulouse, actuellement Toulouse joue avec trois grands intérieurs pour essayer de bloquer Matij Bellers, le numéro 9 de cette équipe de Saint-Avold.
Et très beau tir là de Bilal et H. Les trois grands joueurs de Toulouse peuvent être sur le terrain actuellement grâce à la présence de Florence Dumèche-Guedoun, joueuse à un point et féminine, donc elle permet à son équipe de récupérer un point et demi supplémentaire. Photo 15, Bilal Ayache. Voilà, c'est le jeu un petit peu de Saint-Avold, d'avoir un jeu rapide. Tenter d'aller en dessous pour provoquer les fautes. Pour l'instant, ça fonctionne. C'est un jeu complet. Et Robin est en forme au niveau des tirs. Un excellent joueur international, Robin Pogonjic. Il n'a pas toujours été très très constant tout au long de la saison. Voilà. Et tentative de tir. Alors si vous ne voyez que 4 joueurs rouges à l'attaque, c'est tout à fait normal. Jérôme Corneille avait été bloqué, donc en moins 1 côté défensif par Paty Petit Bingo, qui fait un gros travail défensif toujours. Paty Robin Pogonjic sur votre droite, qui cherche ses coéquipiers à l'intérieur. Alors il prend le tir parce qu'il n'avait pas le choix et il prend son rebond. Et pour l'instant, c'est Matij Belers qui a du mal à rentrer dans cette rencontre. Bilal Yalash qui est dans l'axe. Avec une défense très haute là de Paty qui est venu le chercher. Oh là là, splendide passe à rebond là. Mais très très bien suivi par les Red Dragons qui ont empêché cette pénétration. Et la balle passe la ligne là, médiane. Mais Julien Floto manque sa passe complètement. Il s'est fait intercepter cette balle par les grands bras de Bilal Ayache. Oh là là, c'est joli ça, une touche. Très belle passe sur Bilal qui est en forme là pour ce début de rencontre. Et score de 11 à 12, hein, score très très disputé à 4 minutes 28 de la fin de ce premier quart-temps. Paty Koti Bingo tir manqué de Paty. Après les 2-3 points qui étaient de bon augure pour les Red Dragons, pour l'instant, il y a un manque de réussite assez important. Nabil Guedoun qui travaille sur le côté gauche, protégé par Aïssa Fahlmp, qui prend le tir loin. Oh là, avec beaucoup de chance, là, cette fois-ci, les Red Dragons ont récupéré le rebond. Paty Koti Bingo qui remonte cette balle, qui attend que quelqu'un se présente. Il donne à Sam Bader qui rentre, Sam sur Matij Belers. Matij Belers encore une fois qui manque son tir. Et les Rouges de Toulouse récupèrent cette balle. Et Jérôme Corneille qui s'empare de ce ballon. Très belle passe. Alors panier accordé et faute de fauteuil certainement. Donc au 14, voilà, donc ça y est, l'arbitre rectifie son geste. Faute à Julien Floteau, le 14. Alors c'était une faute de fauteuil, hein. Julien Floteau a légèrement poussé le fauteuil de Bilal Ayache au moment du tir. Et du coup, le coach le sort du terrain. Il a été remplacé par numéro 10, Vincent Jascula. Et 11-15, 4 points d'avance là pour Toulouse pour le moment. Robin Pogonjic sur le côté gauche se demande un petit peu ce qu'il va pouvoir faire. Il tente le tir à nouveau, tir manqué.
Voilà, je vous annonçais tout à l'heure une défense très fermée à l'intérieur avec trois grands joueurs. On le constate, beaucoup de mal à rentrer, à pénétrer, alors que c'est plutôt le jeu de Saint-Avold habituellement avec un Sam Bader et un Matij Belerz qui se rendent disponibles à l'intérieur. Il reste 2 secondes de temps de possession. Voilà, nous sommes en fin de possession. Balle sera rendue à Toulouse. Il reste 2 minutes 44 dans ce premier carton. Toujours 11-15. Alors j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que la rencontre est arbitrée par monsieur Dominique Blau et monsieur Bruno Seyz. Robin Pogonwich qui tourne côté gauche, qui trouve Sam Bader. Sam Bader passe rapide à Matij Belerz. Et cette fois-ci, Matij la met au fond. Et récupère une faute. Alors, la faute est sifflée. Alors, au 9, Nabil Guedoun. Première faute de Nabil Guedoun. Troisième faute d'équipe pour Toulouse. Lors de la demi-finale, les fautes avaient joué un rôle très très important en fin de rencontre. Et Matij Belerz qui manque son lancer franc. 13-15 en faveur de Toulouse. Tentative de tir. Oh là là, Robin Pogonwich a voulu partir trop vite. Balle récupérée par Toulouse, très mauvaise action là-dessus, étant donné que Issa Falempe marque. Donc, et récupère en plus de ça une faute. Et la faute est sifflée à Matij Belerz. Troisième faute d'équipe, de ce point de vue-là, les deux équipes maintenant sont en égalité. 3 fautes d'équipe partout. Il reste 2 minutes 13 dans ce premier carton, alors que le début de carton était très rapide avec un jeu fluide. On a ici, fin de carton, un jeu qui devient moins fluide, moins ouvert, qui se resserre un peu plus. Robin Pogonwich va tenter de l'ouvrir à nouveau avec un 3 points, mais 3 points manqués. Jérôme Cournet qui rentre tout seul. Oui, c'est bien joué, ça, de sa part. Jérôme Cournet qui va jusqu'en dessous. Il n'y a personne qui s'est senti concerné du côté des Red Dragons. Alors, la faute est sifflée au 10. À Vincent Jascula. Et Michel Mensch prend le temps mort. Michel Mensch, le coach des Red Dragons, a pris tout de suite un temps mort là pour essayer d'endiguer cette remontée, puisqu'on remontait d'ailleurs 13-18. Saint-Avold est mené maintenant de 5 points par Toulouse. Pour remettre sa défense en place, je dirais. Et Jérôme Corneille aggrave encore le score. 13-19 à 1 minute 52. Fin de premier carton. C'est Patty Cotibingo qui prend un long tir au niveau de la ligne des lancers francs, tir manqué. La balle sort en touche. On travaille tranquille, Flo, t'occupe pas. Flo, Flo, lâche ta paire. Flo, lâche ta paire. Va bien ici, tu fais bien travailler, lâche ta paire. Et Vincent Jascula qui vient de presque réussir à intercepter cette balle. Il a poussé la balle à Robin Pogonwich qui n'a pas suivi l'action. Et malheureusement, juste derrière, donc il touche joueur de Toulouse. Et étant donné que Saint-Avold a maintenant sa 5e faute d'équipe, Jérôme Corneille se retrouve au lancer franc. Je vous ai dit tout à l'heure que les fautes allaient avoir leur importance. Alors pour l'instant, il n'y a pas de joueurs qui se détachent réellement. Ils ont tous soit une, soit deux fautes. Mais en les cumulant, ben voilà, on se retrouve au tir. Oh, 13-20.
en faveur de Toulouse. Matige Bellers qui vient de faire la passe à Sambader. Sambader international belge qui trouve Paty. Paty sur Sam. Sam qui pivote à l'intérieur en dessous. Il avait réussi à passer le long de la ligne de fond. La erreur défensive, normalement les intérieurs ne font pas la ligne. Les blocs avant. Mais c'était bien vu cette passe de la part de Paty là. Il fallait que ce soit juste au bon moment pour pas que la défense se referme. Et la Saint-Avold récupère cette balle sur ce jeu un petit peu confus de la part de Nabil. Et puis donc presse tout terrain là. Tenté par Toulouse. À ce petit jeu, Robin s'en sort plutôt bien, étant donné qu'il est plus rapide, mais manque complètement son tir. Sam Bader, qui s'est bien battu au rebond, malheureusement perd cette balle. Discute pas, vous pouvez regagner, vous n'êtes pas capitaine, regagnez. Faut toujours penser qu'aux hommes. Et faute offensive siffle un instant en neuf à Nabil Guedoun. Seconde faute de Nabil Guedoun. À 35 secondes de la fin de ce premier quart-temps, 15 à 20 en faveur de Toulouse. Passe à Sam Bader en dessous, mais Sam qui manque complètement son tir. Il espérait peut-être une faute là. Jean Kounet s'est à sa moitié effondré sur lui. Bilal Ayache, oh là, que c'est bien joué là, intérieur sur intérieur, avec une belle passe à Issa Falempe. 15 à 22. Il faut tirer. 3 points au buzzer, magnifique. Premier quart-temps, 18-22. Début du second quart-temps, pour l'instant Saint-Avold est mené 18 à 22 par Toulouse et aucun changement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Jean-Louis Granzotto, le coach de Toulouse, fait confiance à son équipe en place et surtout tout changement de son côté impliquerait de sortir un des trois grands. Et pour l'instant, ils font tous les trois un superbe match, à l'instar de ce tir de Nabil Guedoun. C'est un international algérien, mais il est vraiment en forme. Et oh là là, magnifique passe aveugle là, en bras roulé de Robin Pogoni sur Mathis Bellers. Deux internationaux des Pays-Bas, deux Hollandais, qui s'entendent très très bien, qui se connaissent, qui ont joué ensemble dans d'autres clubs français avant. Et une bonne complicité entre les deux. Alors Jérôme Corneille est un peu embêté, il donne au dernier moment la balle à Nabil Guedoun qui n'a d'autre choix que de tirer à 3 points, là, tenter les 3 points. Mais bonne défense de Saint-Avold qui a réussi à emmener Toulouse jusqu'aux 24 secondes. Robin Pogonwicz qui slalome, qui la donne à Sam Bader cette fois-ci. Et Sam Bader 2 points. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'est la stratégie de Saint-Avold hein, de réussir à fixer le jeu pour offrir de petits espaces dans lesquels Sam Bader ou plus souvent Matige Bellers pénètre, et une fois qu'ils sont dedans ça devient compliqué surtout d'arrêter Matige Bellers avec ses très très grands bras. Robin Pogonwicz nouveau à l'attaque, Issalom qui donne à Paty côté gauche, mais Paty Laurent Robin, il reste 9 secondes, 8 secondes. Paty à nouveau, qui prend le tir et tire à nouveau manqué de Paty. Là, c'est dommage, il fait un très bon travail défensif, Paty. Il se positionne bien, mais pour l'instant, il manque de réussite au niveau de ses tirs. Et c'est Jérôme Corneille pour Toulouse qui s'occupe du travail de remontée de balle. Et dans l'axe, Nabil Guedoun qui prend le tir. Hein, il était revenu sur un moins 1. Et Paty Cotibingo, la numéro 11 de cette équipe de Saint-Avold, est sanctionné. Une faute, première faute individuelle de Paty.
22-25. En faveur de Toulouse, 4 petits points d'avance. Patrice Bellers qui a fait le travail de remontée, qui l'a donné à Patty Cotibingo, mais Patty se retrouve à nouveau dans l'obligation de prendre un shoot à mi-distance, la personne ne s'est libérée. Et heureusement pour les Red Dragons, très mauvaise passe là, qui était beaucoup trop longue pour Jérôme Corneille, de la part de Toulouse. Et on entend Jean-Louis Granzotto, le coach là de Toulouse, qui demande à ses joueurs de calmer un petit peu le jeu. C'est à eux de mettre en place leur système, d'imposer leur rythme. Sam Bader qui travaille, mais voilà, mais 3 secondes de sa part, il était dans la zone, il est ressorti trop lentement. Allez, 22-26, il reste 7 minutes dans cette première période. Et Patty Cotibingo, là, qui était bien positionné pour le rebond, a pu la pousser sur Robin. Robin Poganwich qui fait sa remontée, qui travaille côté gauche. Patty qui attire Jérôme Corneille, qui récupère la balle, passe à Matij Bellers. Et Matij Bellers, à moitié sur une roue, là, qui monte. C'est sa place, Matij, pour tirer sous l'anneau. Et Aïssa Falempe qui se présente en dessous, qui manque complètement son tir. Et le 15, Bilayash, qui prend le rebond. Et marque. Certaines personnes du côté de Saint-Avold attendaient les 3 secondes parce que le premier tir n'avait rien touché, mais c'était une action de shoot. Et cette fois-ci, voilà, ça c'est aucun problème. On entend là les fautes. Matij Bellers s'est fait tamponner par 3 rouges en même temps là. C'était même pas un sandwich. Et c'est la première faute pour Aïssa Falempe. En fait. Et balle rendue. Balle rendue à Toulouse. À nous la balle, à nous. Il est le ballon. Apparemment, c'est une violation de zone. Patty Cotibingo, peut-être une roue. Il faudra revoir les images pour être sûr. Et jeu de grand à grand. Jérôme Corneille qui se retrouve seul. Mais c'est toujours les grands, voilà, qui font le travail. Nabil Guedoun qui manque son tir. Sam Bader qui a pris le rebond et qui remonte. Avec un gros travail défensif de la part des Rouges. Qui ont bloqué des joueurs des Red Dragons dans leur moitié de terrain. Et Sam Bader qui était bien placé pour le tir. Mais Bilal Ayash l'a bloqué avant même qu'il puisse armer. Et du coup, il n'y aura pas de lancer. La balle sera remise au fond. C'est la deuxième faute de Bilal Ayash. 500 Jascula qui a donné à Robin Poganwich qui trouve Patty Cotibingo qui a réussi à sauter son défenseur là. Bien joué, ce qui a le don d'agacer Nabil Guedoun là. Et Jérôme Corneille qui remonte cette balle pour Toulouse. Voilà,
beau travail en bas de la part de Florence, numéro 7 de cette équipe de Toulouse, qui a permis à Bilal Ayage de se dégager et de prendre sa position de tir. Tentative de passe sur Sambader, mais balle déviée. Et Nabil qui accélère. Très rapide. Et temps mort demandé par Michel Mensch. Temps mort et changement. 26 à 32. 6 points d'avance pour l'instant. Il reste 4 minutes 55. Et c'est reparti, Paty Kotibingo et Robin Poganuc. Ah, apparemment, c'est Paty qui se retrouve à la mène. Peut-être qu'on va avoir un changement là, côté de coaching. Et très belle passe à l'intérieur de Julien Feuteau sur Matige Bellers. Matige qui a complètement loupé son tir. Et les coachs accordent la balle aux Rouges de Toulouse. Alors pendant le temps mort pris par Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, je suis revenu sur l'action avec les arbitres. Voilà, il y avait bien violation tout à l'heure de la zone de la part de Paty Kotibingo. Oh, la magnifique tir de Florence, la première tentative pour elle. Le tir manqué, pourtant elle était bien positionnée dans l'axe, elle s'était fait un petit peu oublier. Et on a une défense qui est très haute là de la part de Toulouse. Mais Matige Bellers réussit à pénétrer. Et Soulano marque un 2 points, 28 à 32. Il n'y a plus que 4 points d'écart. Il reste 3 minutes 55 dans cette première mi-temps. Nabil Guédoun là, en manque de réussite, c'est, les rebonds sont bien captés pour le moment par Saint-Avold, ça fait 2-3 fois que ça se passe ainsi. Paty Kotibingo qui se retrouve en dessous, oh là là, c'était dur là ce qu'il nous a fait le Paty, mais c'était beau. Il était en mouvement en arrière et à une main, il a dû complètement se basculer, se pencher. Et Nabil Guédoun qui avait fait un très très beau moins sur Paty, qui s'était présenté seul du coup à l'avant. Et Bilal Ayache qui profite de ce jeu. Bilal Ayache qui a un beau tir là, une main. Juste devant Julien Fouteau, Robin Poganuic. Qui trouve un nouveau Matige Bellers. Alors qu'est-ce qui a été sifflé? Alors, faute du numéro 12 d'Aïssa Falempe, qui a poussé le fauteuil. Deuxième faute d'Aïssa Falempe, troisième d'équipe, et le coach Jean-Louis Granzotto qui prend un temps mort. Matige Bellers, grand international, 4,5 points, qui se retrouve au lancer franc. Et franchissement de ligne sifflé par l'arbitre. Alors, je n'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est Nabil Guédoun qui avance un petit peu trop vite, tire à remettre, et cette fois-ci, il est dedans. À 34, 3 petits points d'avance pour Toulouse à 2 minutes 40 de la mi-temps. Jérôme Cournet qui trouve Aïssa Falempe. Aïssa devant Paty Kotibingo. Pourtant ici reprend pour bien se positionner devant Paty. De par sa taille, il ne peut pas faire grand chose. Robin Poganuc côté droit qui donne à Vincent Jascula. Vincent Jascula main gauche. Qui manque son tir, mais son fauteuil a bougé à cause de Florence. Excusez-moi, c'était Julien Fleuteau. Julien Fleuteau, numéro 14,
qui manque son tir. Son fauteuil a bougé. On a Florence Doumèche-Guenoun qui lui est rentrée dedans. De, avec cette faute, on a l'équipe de Toulouse là, qui vient d'avoir sa quatrième faute d'équipe. Tir manqué là, Julien Floteau qui passe un petit creux à côté, mais c'est pas le seul, avec Nabil Guedoun qui mettait ça en début de rencontre, qui les manque maintenant. Et Robin Pogonjic qui tente à nouveau un très très long tir, tir manqué. Alors que sur l'arrière du terrain, on avait une bataille entre Nabil Guedoun et Sam Bader, grosse bataille, bien physique. Et Aïssa Falempé là, qui a profité de l'appel créé dans son dos pour se libérer un tout petit peu, histoire juste d'avoir la place pour récupérer cette balle. Patty Cotibingo qui donne à Julien Floteau. Julien Floteau qui prend le tir là. Il manque son tir, mais Mathis Bellers a bien suivi cette fois-ci. 33-36, il reste 3 points d'écart à maintenant moins d'une minute de la fin de cette première mi-temps. Jérôme Cornaille aux 3 points qui donne à Nabil Guedoun à gauche. Nabil Guedoun qui s'est fait voler la balle au moment où il armait son tir. Il y a Sam Bader qui est venu par derrière qui lui a poussé le ballon. Bien, bien joué là, de la part de Sam Bader. Et Patty Cotibingo qui regarde le temps, qui la donne à Robin Pogonjic. Robin Pogonjic qui la donne à Julien Floteau. Julien Floteau, feinte de tir, il la donne à l'intérieur à Mathis Bellers, et Mathis qui manque. Il reste 19 secondes dans cette première mi-temps, 33-36. Que va faire Toulouse? Est-ce qu'ils assurent? Est-ce qu'ils vont tenter le tir? Oui, apparemment. Oh, magnifique tir de Bilayayash, 2 points. 33-38. Fin de la première mi-temps, 5 points d'avance pour Toulouse. De retour à Saint-Avold pour la deuxième mi-temps. Saint-Avold en blanc actuellement à l'attaque. Manque son premier tir là, Robin Pogonjic. Face à Toulouse, actuellement en rouge, aucun changement ni d'un côté ni de l'autre pendant la mi-temps. Et Mathis Bellers là qui vient d'intercepter cette balle, récupérée par Robin Pogonjic qui accélère. Robin qui prend la droite. Et très très bonne maîtrise là du fauteuil. Bilayash qui était devant lui espérait certainement la passage en force. Mais au moment du tir, Robin a réussi à faire pivoter son fauteuil pour le bloquer.
très très bonne passe là de Nabil Guenoun sur Bilal Ayache qui manque son tir. Et faute là de Bilal Ayache qui a essayé de récupérer ce rebond en sautant sur Sambader. Troisième faute individuelle de Bilal Ayache. Défendu, on est là, on est pas. Et bon tir là de Robin Pogonjic qui est venu se stopper dans le bloc là de Julien Fleuteau. Paticotti Bingo qui a bloqué la progression de Joan Corneille. Mais ça tourne bien là du côté de Toulouse. Ça arrive nous à Jérôme Corneille côté gauche. Tir manqué et balle récupérée par Robin Pogonjic. Et très bon là, travail collectif de la part des Red Dragons. Trois joueurs des Red Dragons sont venus pour bloquer et permettre la progression de balle. Et Robin qui a donné à Matij Belers qui était bien positionné à l'intérieur. Matij a même eu le temps d'armer proprement son shoot. Et 39-38 en faveur de Saint-Avold. Alors, faute au 7, là, sur ce bloc irrégulier, Robin Pogonjic. Et j'étais en train de vous dire, 39-38, Saint-Avold a réussi à passer à 7 minutes 58, à nouveau au score devant Toulouse. Première faute individuelle de Robin Pogonjic. Et très, très beau, là, passé va. Sambader qui vient par derrière voler cette balle. Et Florence qui profite, là. Oh là là, splendide, très beau travail là de Jérôme Corneille qui a fixé donc à l'intérieur pour donner. Et Michel Mensch, le coach de Saint-Avold qui s'énerve, il venait juste d'être averti par l'arbitre Bruno Seiz. Il a continué donc à discuter et du coup il a été sanctionné. Toulouse, 39-40 en faveur de Toulouse qui était repassé devant. Et Julien Fleuteau qui se retrouve en position un tout petit peu plus loin que d'habitude. Son premier panier, la réussite de la rencontre à 45 côté gauche. Un petit peu sa place de prédilection. Jérôme Corneille qui a fixé le jeu, qui a donné à Issa Falempe. Issa qui a manqué sous la pression des joueurs. Sambader qui a sorti cette balle rebond. Et faute d'Aïssa Falempe qui s'est un petit peu énervé là sur cette action. Troisième faute individuelle d'Aïssa Falempe. Alors on est en train de retirer un petit peu le profil de match qu'il y avait eu en Coupe de France. Avec plus de fautes du côté de Toulouse que du côté de Saint-Avold. Je vous avais prévenu en début de rencontre que ce serait un paramètre important, là, les fautes de part et d'autre. Il faut bien gérer. Pour l'instant, ça tourne du côté des Red Dragons. Sambader qui rend à Paticotti Bingo. Et Paty, là aussi, joli switch sur le côté gauche. Habituellement, c'est pas trop son côté. Il n'a pas été en réussite en première mi-temps, mais là, il est bien dessus. Et Sambader qui surgit pour réussir. Voilà, pour réussir à curer cette balle.
Et Robin Poganić, Robin Poganić. Et temps mort pris par Jean-Louis Granzotto, le coach de Toulouse. Le coach de Toulouse là qui a pris son temps mort pour essayer d'endiguer l'hémorragie. À 6 minutes fin de premier quart temps, donc on a joué 4 minutes là sur le troisième quart temps. 45 à 40 et tir manqué, balle récupérée par Saint-Avold. Et Julien Fleuteau qui manque complètement sa remontée de balle. Là, il perd la balle. Et faute de Robin Poganić là. Il faut dire que Matthijs Bellaerts avait complètement manqué son repli défensif. Il n'avait pas vu Issa Falempé dans son dos. Et Robin est venu en retard défendre. Et Nabil Guedoun là, qui travaille avec Issa Falempé. Nabil Guedoun toujours. Oh là là, superbe retour hein, de Patty Kotibingo qui pousse la balle du bout des doigts. Qui permet même à son équipe de passer à ligne médiane, passe à Robin Poganić qui était devant, mais Robin Poganić manque son tir, et balle récupérée par Bilal. Remontée, toujours de Bilal, Ayash, qui donne à Nabil Guedou, Nabil qui manque son tir, mais oh là là. Là, les Red Dragons s'en sortent bien parce que le rebond était complètement manqué et la balle a rebondi sur la roue de Florence Doumaj-Guedoun. Robin Poganić qui trouve Matthijs Bellaerts. C'est sa place à Matthijs. 47-40. Et Jérôme Corneille, qui a fait le même coup que tout à l'heure, mais ah, c'est dommage, là, il n'est pas en réussite. Il a fait des feintes de passe à gauche, à droite. Et faute de Nabil Guedoun. Troisième faute individuelle de Nabil Guedoun. L'équipe de Toulouse qui se retrouve à 3 joueurs à 3 fautes maintenant. L'arbitre qui a préféré arrêter le jeu là sur la chute de Robin. Et Matthijs Bellaerts qui est obligé de s'y reprendre à deux fois. Jérôme Cornet qui fait passer la balle à la ligne médiane et tentative de passe sur Aïssa qui du bout des doigts voilà dévié, heureusement sur un joueur rouge. 49-42, 7 points d'avance maintenant pour Saint-Avold à 3 minutes 30 de la fin de ce quart-temps et très belle passe à Patty Kotibingo. Patty qui se retrouve au sol. Et Bilal Ayash là qui prend le côté droit. Et splendide passe à Nabil Guedoun là qui manque. Et il manque son tir. Mais faute sifflée à Issa Falempé. Alors, changement du côté de Toulouse. Toulouse.
Aïssa Falempé. 4,5 points qui sort. Et c'est David Herpes, très très grand joueur également, qui vient de sortir. Et sur cette faute, l'équipe de Toulouse vient d'atteindre donc les 4 fautes d'équipe. Il y aura lancé à partir de maintenant. Robin Pokovnic, côté droit. Passe à une main là, sur Paty Kotibingo. Paty qui prend le tir. Il est un peu loin là. Mais bien contré. Et Paty qui prend la balle et la pousse sur Matij Velers. Là, c'était belle pression et beau collectif du côté des Blancs. Jérôme Corneille là, contré par Sam Bader. Mais Sam Bader, il s'en veut un petit peu. Il la pousse en touche. Et entrée du numéro 5, Abdennour Guerdouche, sortie de Florence Doumèche-Guédoun. Et Bilayash se retrouve sur le côté droit. Et fin de possession. Il reste 2 minutes 13, 51-42. Il y a maintenant 9 petits points d'avance pour les Red Dragons. Paty Kotibingo à la main. Qui contourne, voilà les joueurs blancs qui ont bien travaillé. Robin Pogonwicz, côté droit, Sam Bader, mais... Alors, faute certainement, faute de fauteuil. Exact, donc faute de Bilal Ayash, numéro 15 de cette équipe. Ouh là là, ça va être compliqué là. Bilal qui se retrouve également maintenant à 4 fautes. Sur cette faute de fauteuil, il y a 51-42. Allez, on joue maintenant, allez. Tir manqué de Sam Bader. À 1 minute 55, il fait un troisième carton. Voilà. Franchissement de la ligne de la part de Bilal Ayash, sifflé par l'arbitre, et tir à recommencer pour Sam Bader. Tir manqué, sont les rouges qui récupèrent. Et bonne interception de Matij Velers. Paty Kotibingo, là, splendide passe à une main sur Robin. Robin qui redonne à Sam Bader à l'intérieur. Et grosse pression défensive là de Saint-Avold. Jeu intérieur là, belle passe. Et Bilal Ayash là qui marque un très très beau panier sous l'anneau. Et il a été poussé donc par le fauteuil de Sam Bader. Sam Bader du coup est coupé de sa deuxième faute individuelle. Et double changement du côté de Toulouse. Sortie d'Abdennour Guerdouche. Là, il n'est pas resté très très longtemps sur le terrain. Entrée de Onokoko Okitapoy. On a 6, 9, 10, 11 et 15. Et entrée également de Mostefa Bassi. Qu'est-ce qui se passe? On est d'accord qu'on a le numéro 6, le numéro 9, le numéro 10. Il y a 11, 6, 8. Alors là, l'arbitre a été appelé à la table pour vérifier les points. Ta
pas d'erreur du côté du coaching sur ce changement au niveau de ses points. Et belle passe là sur Paty, bien ajusté le tir de Paty Kotimingo. 55-44, il a maintenant 11 points d'avance. John Cornet qui travaille bien côté gauche, qui réussit à donner la balle à Nabil Guedoun. Bien bloqué régulièrement par Julien Feuteau qui était positionné avant lui. Sam Bader qui récupère cette balle intérieure, il pivote et réussit à prendre la faute. On est OK au niveau du score, c'est bien ça? 55-45. On est OK par rapport à ça. D'accord? OK? Par rapport à ça, parce que le problème, parce qu'ils sont peut-être moins précis. Alors, au tableau d'affichage, 55-45, l'arbitre il vient de vérifier que tout se passe bien au niveau de la table, et faute sifflée au 8, Jérôme Corneille. Reste vigilant, hein, les gars. Seconde faute individuelle de Jérôme Corneille, et remplacement du côté de Saint-Avold. Julien Feuteau qui sort, et entrée de Vincent Jascula. Alors un point sur les joueurs actuellement sur le terrain là pour Toulouse. On a toujours le numéro 6, Onoko, 2 points. On a le numéro 9, Nabil Guedoun, qui est à 4 points. On a le numéro 8, Jérôme Corneille, 2 points. On a le numéro 11, David Herpès, 4 points. Et le numéro 10, Mostefa Bassi, 2,5 points. Donc on est très très bon au niveau des points actuellement. Mais c'est vrai qu'on a perdu en taille, on a perdu en hauteur, on a perdu en physique du côté de Toulouse, qui se retrouve un petit peu coincé par ses pressions défensives et par la presse là qui porte ses fruits. Hein, la presse des Red Dragons a obligé les Toulousains à perdre cette balle là, 8 secondes. Sifflé par l'arbitre. Paty Kotimingo sur le côté gauche qui donne à Sam Bader qui est venu chercher cette balle. Et passage en force de Robin Pogonwich. Et on entend Michel Mensch là rester. Donc ça veut dire qu'il veut à nouveau une presse tout terrain. Il veut faire le trou. Et Matij Bellers là, qui se précipite, qui pousse la balle dehors. Il reste 13 secondes dans ce carton. Et tentative de 3 points. Magnifique 3 points là de Nabil Guedoun. Il avait manqué un petit peu ses shoots mi-distance. Petit rappel des règles là au niveau du coaching. On a de grands changements du côté de Toulouse. Le coach Jean-Louis Granzotto
beaucoup d'expérience, très professionnel, joue un petit peu le va-tout là dans ce dernier quart-temps. Il revient à son 5 de base de début de rencontre. Donc avec Florence Domèche, Jérôme Corneille, Nabil Guédoun, voilà. Aïssa Falempe, Bilal Ayache, une équipe qui est beaucoup beaucoup plus solide, mais une équipe très fragile également, hein, car il a deux joueurs là sur le terrain à quatre fautes. Alors l'objectif maintenant c'est de réussir à marquer sans faire de faute. Et là, splendide passe de Paty Kotimingo, là, un passe en arrière sur Sam Bader. Oui, faute technique là sifflée à l'instant au coach par monsieur Dominique Blot. 57-50. Cela fait 39 secondes que le troisième carton, quatrième carton a pris. Oh, quel dommage là, Paty qui passe complètement à côté de son tir. Il s'en veut. Et on est à 14 secondes pour le temps de possession et ça reprend. Jérôme Corneille qui récupère la balle. Paty qui vient tout de suite lui mettre la pression. Bilal Ayache toujours sur son côté droit. Et Jérôme Corneille là qui tente le tir à une main. Geste technique assez compliqué pour lui. C'est Matige Bellers, le très grand intérieur, qui s'occupe de la remontée de balle. Ce qui est un petit peu non usuel. 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes. Paty Kotimingo avait fait le plus dur, il avait fait le décalage et le passing. Et il manque complètement son tir. Joli jeu là, jolie passe. C'est Jérôme Corneille qui se retrouve côté gauche. Qui donne à Nabil Guédoun. Nabil Guédoun passe, très belle passe intérieure sur Aïssa Falempe. C'est important là pour Toulouse de mettre ses balles. Et 57-52, il n'y a plus que 5 points d'écart pour Toulouse. Tentative de 3 points. 3 points manqués de la barre de Robin Pogonjic. Mais rebond offensif récupéré par Sam Bader. Avec une remise à 14 secondes. Le temps que Aïssa se remette sur ses roues. Vincent Jascula, numéro 10, qui a donné à Robin. Robin qui reprend le tir. Tir manqué à nouveau, la part de Robin Pogonjic. Voilà, excellente passe là et sortie d'Aïssa Falempe. Qui sert très très bien Nabil Guédoun. Et faute de Nabil Guédoun, il aurait pu s'en passer là. Il a quatrième faute de Nabil Guédoun. Quatrième faute individuelle. Ça fait maintenant 3 joueurs à 4 fautes individuelles. Paty qui donne la balle à Robin. Robin Pogonjic qui prend le couloir gauche et passe à rebond sur Sam Bader qui a bien joué la pénétration dans l'axe. Et pression défensive de Paty Kotimingo là, qui donne à Robin Pogonjic. Robin Pogonjic qui bloque bien son fauteuil pour ce 2 points. Très important là les 2 points. Il reste 7 minutes dans le dernier carton et donc dans le match, dans la rencontre 61-54. Et marché sifflé à Jérôme Corneille. Thank you.
Vincent Jascula là qui vient d'aider ses joueurs pour créer un surnombre. Et Sam Bader qui a réussi nouveau à rentrer à l'intérieur, mais qui a complètement manqué son tir. Faute aux 15 blancs à Sam Bader, qui a retenu Jérôme Cormeille au moment où il est tombé en arrière. Troisième faute individuelle de Sam Bader. Nabil Guedoun qui remonte la balle, qui la rend Jérôme Cormeille, qui donne à Bilal Ayache sur son côté droit, Bilal sur Nabil à l'intérieur, Aïssa, et faute de Matij Belers là, qui s'est à moitié écroulé sur Aïssa, c'est un petit peu emporté. ...61-54... 7 points d'écart en faveur de Saint-Avold. Plus que 6 points. ...5 points, autant dire 3 fois rien, le match n'est pas terminé. Mais il y a toujours encore cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de trois joueurs de Toulouse, trois joueurs à quatre fautes. Et splendide travail là de Vincent Jascula. Il ne touche peut-être pas beaucoup de points, de balles, excusez-moi. C'est un petit joueur à un point. Mais quel travail collectif là qui a permis ce beau panier. Et Paty qui vient nous se positionner devant Jérôme Cormeille pour le bloquer. Bilal Ayache, on est à Bilal Guedoun. Jeu tour intérieur. Et tir complètement manqué là de Nabil Guedoun. Et Paty Kotibingo ne réussit pas à capter cette balle à une main là. Jérôme Cormeille qui tente une passe à une main là sur Bilal Ayache. Mais Matij Belers était bien sur la ligne de passe avec ses grands bras. Et Aïssa Falempe, obligé de prendre le tir. Tir manqué. Et passe un tout petit peu trop longue sur Robin Pogonjic, mais il a bien récupéré, il temporise. Il tourne, il contourne tout le monde par le côté droit, et encore une fois, c'est Vincent Jascula qui lui offre. Alors non seulement il lui offre un couloir magnifique, mais en plus de ça, il prend le rebond et il marque. Là, c'est du bon Vincent. Tentative 3 points manqués. Matij Belers qui remonte cette balle, qui passe la ligne médiane. Qui feinte, qui se retrouve seul en dessous, mais il manque complètement son tir là, c'était... Et Aïssa Falempe qui se retrouve dans la table de marque sur cette action très physique. Le jeu s'emballe un petit peu là. Et faute sifflée à Matij Belers, 9 de cette équipe, sur le tir de Nabil Guedoun.
Troisième faute individuelle là, de Mathis Bellers. Et joli switch là de la part de Nabil. Milguedoun, international de l'équipe nationale d'Algérie. Et encore une fois, là, mouvement collectif de la part des Blancs. Patikoti Bingo qui se retrouve sur le côté droit. Il reste 8 secondes, 7 secondes. Passe. Ah, elle était belle cette passe. Là, il fallait réussir à le trouver, mais Mathis Beller, il a eu complètement son tir. Et contre-attaque là-haut. Mais qu'est-ce qu'ils nous font les joueurs des Red Dragons? Contre-attaque réussie de la part de Nabil, très intelligent là, qui est passé sous le bras et sous le contre de Sam Bader. ...65-61, il n'y a que 4 points d'écart à 3:19 de la fin de la rencontre. Et Patikoti Mingo a juste son tir, il a été laissé tout seul. Les défenseurs toulousains se concentrant plus sur les intérieurs et les très grands joueurs qui sont plus habiles. Et joli là, Passeva. Oh là là, quel geste technique d'Aïssa Falempe là. Avec beaucoup d'expérience, alors qu'il avait 4 mains au-dessus de lui pour l'empêcher. Et anti-sportive là, d'autre côté du terrain, sifflé à Jérôme Courneil, numéro 8. Ah, il ne jouait pas la balle. ...67-63... 4 points d'écart. On remonte à 5. Et second lancé manqué là. Ce sera intéressant d'avoir la stat, mais ils n'ont pas été particulièrement performants ce soir là, les Narboriens, les Red Dragons sur ces tirs. Oh là là, que c'était bien vu de la part de Patty. Il fixe. Fin de tir. Et passe Seva sur Sam Bader. À nouveau, la presse tout terrain. Nébil qui se trouve pris à deux là par Vincent Jascula et Patikoti Bingo. Tire complètement manqué. Sam Bader au rebond. Il se demande ce qu'il va faire de cette balle. Et joli passe. Il s'en sort bien. La belle passe sur Paty. Paty se trouve pris en sandwich et perd la balle. Et Nabil Guedoun se retrouve à l'intérieur, passe sur Jérôme Courneil. Jérôme Courneil, sérieux là, qui met son 2.20 avec la planche. 70-65, on sent la pression là sur le terrain, dans les tribunes. 5 petits points d'écart en faveur de Saint-Avold, c'est rien du tout. Robin qui prend son temps, qui tourne. Qui trouve Vincent, côté droit, Vincent qui prend le tir. 2 points qui sont importants, ces 2 points là. Il a le sourire, il a la banane là, Vincent. Bruno Seitz qui vient de siffler, il vient à la table et il annonce la faute au 15 à Sam Bader sur cette action. Quatrième faute individuelle de Sam Bader. À 1 minute 20 de la fin de la rencontre. Il reste 1 minute 20, 72, 65. Quatrième faute individuelle de Sam Bader. Et cinquième faute certainement qui va être
confirmé à l'instant par M. Dominique Bleu, premier arbitre de la rencontre. Changement du côté de Saint-Aval, merci d'applaudir bien fort. L'entrée du numéro 13, Thierry Papert, est sorti du numéro 14. Temps mort demandé à l'instant par Jean-Louis Granzotto, le coach de Toulouse. Ça change tout avec la sortie de Sam Bader, l'entrée de Thierry Bonnemer sur le terrain. Il reste 1 minute 16 dans cette partie, 72-65. Les Toulousains reviennent dans le match. Premier tir manqué, mais ils reviennent au niveau et second tir réussi malgré le bruit du public pour déconcentrer le tireur et presse tout terrain là. Ça y est, la balle passe la ligne médiane, il reste 1 minute 10, 72-66, 6 petits points. Mathis Bellers qui a réussi à passer jusqu'en dessous. Il faut dire là qu'ils ont 3 joueurs à 4 fautes du côté de Toulouse et du coup ils ne peuvent pas se permettre la 5ème faute. La défense n'est pas trop agressive. Tentative de 3 points manquée. C'est Vincent Vascula qui prend le rebond. La quatrième. Et la faute était sifflée à Jérôme Corneille. Toulouse à 46 secondes de la fin de la partie. À 4 joueurs à 4 fautes sur le terrain. Et grosse pression encore une fois là pour éviter la montée de balle. Thierry Bonnemer qui vient de toucher sa première balle. Robin Pogonjic qui donne à Vincent Jascula. 2 points là de Vincent Jascula. Le public s'enflamme et temps mort pris par le coach. Et c'est reparti pour les 29 dernières secondes de la rencontre. Bilal Ayash sur le côté droit qui donne à Nabil Guedoun. Tentative de tir, il reste 12 secondes dans la rencontre. 12 secondes, 8 secondes, passe à Vincent Lascula. Il reste 4 secondes et 4 dixièmes, 76-66 dans cette rencontre. La faute était faite au moment de la passe, il n'y aura donc pas de lancer. Les joueurs s'étaient déjà placés. Il reste 4 secondes. Et consigne du coach à Thierry Bonnemer, on garde. Et au buzzer à une main, Thierry Bonnemer qui met ce panier. 78-66!